Et salut à tous, c'est Blarod, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Le nouveau mode Survivant Plus est sorti, et c'est l'heure de prendre ma revanche sur ce mode. En gros, pour ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, le survivant normal est injouable, il y a que des teamers, tu peux pas profiter, tu peux pas t'amuser. Et ils ont essayé de mettre un nouveau survivant plus compétitif, plus agressif, pour qu'il y ait moins de teaming et donc qu'on puisse s'amuser. Mais il y a quand même pas mal de teamers, et aujourd'hui, notre objectif, ça va être de les détruire, de dégoûter les teamers et d'en éliminer le plus possible. Pour cela, on va faire un BO5 survivant plus. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un BO5, c'est un best of 5. C'est-à-dire que je vais faire 5 parties en survivant plus. Si j'en gagne plus de 3, j'ai gagné le défi. Et si j'en perds plus de 2, j'ai perdu le défi. Et aussi, comme vous le voyez, je m'appelle encore Blanoob. C'est extrêmement triste. Et j'aimerais bien redevenir Blarod, voire Blapro. Et donc, si on réussit le BO5 et qu'on tue plus de 10 personnes, c'est-à-dire 2 kills par game au minimum, j'aurai le droit de me renommer Blarod. La map, c'est Caverne Bouillonnante. C'est pas forcément la meilleure map, mais c'est pas la pire non plus. J'ai eu mon ricochet qui est rang 25, donc c'est parfait. C'est pile le nombre de trophées où il y a des teamers en face. Bien entendu, avant de commencer le challenge, pour me donner de la chance, n'oubliez pas de rentrer le code créateur Blarod chaque semaine dans la boutique, c'est tout à droite. Ça me soutient énormément. Mais bref, on va commencer. On a le droit qu'à 2 défaites, et si on arrive à tuer plus de 10 personnes, on redevient Blarod. Mais bref, c'est parti. Ok, les premières games, c'est le tryhard direct. J'en ai marre de m'appeler Blanoob. Après, je me suis attaché à ce pseudo. Par contre, j'ai un désavantage, je n'ai pas le son. Et j'ai aussi un gros câble qui passe sur mon téléphone. Je sais pas ce que je fais. Je vais la tuer. Je vais la tuer direct. Hop. Oui. Non. Oui. 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 Elle est pour moi. Let's go. C'est bon, j'ai eu un kill. Je vais pas m'aventurer là-bas. Peut-être un autre kill. Hop. Oh là là, regardez ces rebonds qui devraient être étudiés à l'école. Tellement c'est beau. Ok, je... J'avais anticipé le surge, je savais qu'il allait être... Oh non, ça va, j'ai un gadget, j'ai balancé la purée en pleine face, mais j'aurais dû réfléchir avant. Oh là, oh là, oh là, l'erreur de positionnement de la part du joueur français, Blanoob, ça va, elle est énervée. Oh, ce gadget, horrible, vite, hop, je mets mon gadget, c'est horrible, hein. Le buff de Shelly sur le gadget, ça la rend tellement forte à distance, en faux dose, hein. Je sais pas en 3v3 ce que ça donne pour l'instant, mais en tout cas, pour les games de survivant plus que j'ai faites, c'est plutôt fort. On a un kill pour l'instant, une victoire, c'est top 3. Normalement, je la tue, je suis débile. Mais c'est pas une victoire, mais j'ai eu un kill au compteur. C'est my bad. Après, Rico, c'est pas forcément le meilleur brawler pour le survivant. En tout cas, pour cette map, hein, je pense que le mieux c'est Shelly. Mais ouais, j'ai un peu le seum. J'ai vraiment un peu le seum. J'ai mal joué de ouf. Bon, allez, deuxième game, plus que 4. On a vraiment pas le droit à l'erreur. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, les BO5 et tout ça, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est quand même plutôt compliqué comme challenge. Faut avoir un bon win rate. Le primo, ça va être ma personnelle victime. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens, on est copains. Non, viens, on est copains, s'il te plaît, je t'en supplie. J'aime pas le teaming, mais vite. Oh, le chien. Mais laisse-moi tranquille, de grâce. Je ne t'ai rien fait. S'il te plaît, mec. Non, vraiment, j'avais une cible, j'avais le primo et tout. C'est vraiment un gamin, ce Rico. Qu'est-ce qu'il a l'air? Il a l'air ennuyant. Ok, il a balancé la purée. Mais regarde, il met des dislikes en mode toxic boy. Voilà, tiens. Oh, le karma. Oh, le karma. Oh, oh. Oh oui, let's go. Oh, le karma qui s'est chopé. Je spin plus dislike là. Mais le Edgar, il est arrivé. C'était Dieu, je sais pas. C'est quelqu'un qui m'a écouté, c'est un employé de Supercell. Il s'est dit, je vais le sauver. Bah, c'est parfait, vraiment. Ça c'est vraiment... Mais c'était vraiment très très drôle. Hein. Le Rico, il était là, marcelé jusqu'à la mort. Puis bim, il se prend un karma. Bon, par contre, là, c'est dommage qu'il y ait encore 6 personnes si tôt dans la game. Hein. Rico, c'est très très bon sur cette map en early game. Le temps d'avoir des power cubes, mais... Une fois qu'il est dans le bush, c'est un peu risqué. Donc là, on est juste là à faire des rebonds. Oh, ok, il y a un primo là-bas. On a une information. Oh, parfait, il y a des mines. En fait, les mines vont plus me protéger moi qu'autre chose. Parce que je sais du coup que personne va aller là-dedans. Donc j'aurais juste à tirer vers là. Oh merde, il y a un Edgar. Faut que j'évite de spammer du coup. Mais si je spamme pas, je me protège pas. Ok, top 5. S'il y a 2 personnes qui meurent, je survis. En vrai, le Edgar, je peux le prendre s'il me saute dessus. Et que je gadget pour régène et qu'il a plus de recharge et que je lui balance la purée, c'est-à-dire mon super. Ok, normalement, il y a plus. Ok. Oh non, qu'est-ce que j'ai mal joué. Il me faut le kill de Edgar. Let's go, ok, parfait. On a eu notre quota de kill. On va continuer à attaquer de partout. Je suspecte le primo d'être là. Oh non, top 4. Je vais faire le ramasse-miettes. Non, ah, dommage. Ok, le primo est là. S'il te plaît, mec, laisse-moi tranquille. De grâce, non. Ok, bon, c'est pas grave, c'est une victoire quand même. On a fait 2 kills, c'est parfait, ok. Une défaite, une victoire, on est à 3 kills, plus que 7. C'est dommage, j'aurais pu mieux jouer la game, j'aurais pu plus anticiper le primo, mais bon, Rico, c'est pas mon meilleur brawler, hein. Mais en tout cas, je suis content. Allez, nouvelle partie, et au fait, je l'ai pas dit, top 4, ça compte comme une égalité, en fait. Donc, top 4, en fait, je relance la game, parce que sinon, bah, c'est pas drôle, hein. C'est top 4, tu gagnes quand même des trophées, mais dans le challenge, ça veut dire que je perdrai, donc c'est pas ouf. Donc, c'est égalité. Hop,
Bah, elle est bête. Bah, merci. Ok, merci pour ça, Shelly. Vraiment, tout bénef. Je vais régénérer un peu et ensuite je vais agresser le beau directement. Ok, il y a une Shelly. Oh, le beau il est pris entre deux feux, c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir l'agresser. Ça peut faire un kill facile. Qu'est-ce qu'il fait? Faut que je lui fasse comprendre que. Il n'a pas le droit d'être ici. Tu n'as pas le titre de propriété. Ouais, faut que j'évite de me prendre ses attaques, hein, parce qu'il a reçu un buff. Bah, il met un totem. Il est mort. Let's go! 2 kills, c'est parfait. Par contre, le bull, il va me foncer dessus et je vais mourir. Non, je t'en supplie. Bah, faut absolument que je lui casse la bouche à lui. Sinon, il me super dessus. S'il me super dessus, c'est la fin. Hein. Et je vais m'éloigner de lui. Le mieux, c'est que je m'éloigne de lui et que je fasse comme s'il n'existait pas toutes les games. Voilà, je pense que c'est la meilleure stratégie. Oh, regardez, il est là pour moi. Il est là pour moi. Par contre, faut. Oh non, je suis dans le caca. Je suis dans la sauce, même. Oh, regardez-le. Ah, c'était sûr, je pouvais rien faire. Et regardez, il se fait tuer. Ça a servi à rien, gros, ce que t'as fait. On a 2 défaites. Par contre, on est à 5 kills. Donc, ça va être chaud. Il nous reste 2 games, du coup. 2 games, on est obligé de gagner. Ça va être très, très, très dur. Mais je crois en moi, j'espère qu'on va gagner le boss. Allez, encore une game, ça commence à devenir tendu. En plus, j'ai pas le meilleur brawler pour mon nombre de trophées parce que les Shelly et tout, ça commence à devenir fur. Ok, il y a un buzz. Buzz, faut pas que je me fasse surprendre. Oh, bah, je suis mort. Oh non, s'il te plaît, buzz, laisse-moi tranquille. Parfait, il m'a laissé tranquille. Il suffisait de demander, hein. Hop, et je lui gratte un peu des pourcents. Par contre, il va clairement recommencer. Donc nous, on va l'attaquer. Il y a un primo dans le bush, là, je crois bien. Oui, oui, ben lui, ça va être ma victime. Les primos, c'est vos victimes. Mais comme il s'est fait nerf, ben, c'est plus trop joué quand même. Voilà. C'était très moche comme super, en fait j'ai voulu le faire dans la précipitation pour éviter qu'il se barre, hein, en voyant que j'avais le tir jaune, mais bon, ça a pas très marché. Par contre, je recharge un. Oh, je le tue, il est mort. Allez, meurs, s'il te plaît. Oui, tu vas mourir. Tu vas mourir, c'est confirmé. Non, mais ça a trop de PV, ce truc. Il refuse de mourir, quoi. On est que top 9, c'est très grave. Ah, je vais me faire discret, il y a un Rico, il a l'air d'être meilleur que moi. Enfin, d'être mieux que moi en termes de. Ah non, ça va. Ok, il est mort. Nice. Bon, par contre, ça commence à faire un peu flipper toute cette histoire. Ça arrive, c'est les maths de faire les rebonds. Hop, Pythagore, tout ça. Thalès plutôt. Enfin, j'en sais rien. Je dis de la merde. Ok, top 6, faut pas perdre. Je répète qu'il faut pas perdre et qu'il nous faut un kill de plus. Voire même 2 kills de plus, ça serait pas mal parce qu'on est à. Je crois qu'on est à 5 kills. Donc, ouais, il y a 3 kills là. Oh, top 5. Parfait. Le meilleur scénario, ce serait qu'on fasse top 4. Du coup, ça compte comme une égalité. On a 1 kill en plus au compteur. Oh, ça me mettrait trop bien. Oh non, la Shelly, elle m'a pris pour cible. Oh, top 4, let's go. Let's go. Et si on gagne, c'est encore mieux. Si on gagne, c'est 1000 fois mieux. Babe, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle s'est barrée. Ok, c'est barré. Top 3, let's go. Bah, c'est Victor. Ok, on va se faire discret. On va mettre l'attention sur Primo. On va bien rester là. Primo, normalement, il devrait rencontrer Shelly. Non, c'est moi qui rencontre Shelly et je meurs. Bon, on s'en fout, dans tous les cas c'est une victoire. Et on a qu'un seul kill par contre, donc ça fait 6 kills. Prochaine game, on est obligé d'avoir 4 kills. Bon, je vous montre l'historique. Donc là, c'est la première game qu'on a faite où on a perdu de manière débile. Ça fait une défaite. Ensuite là, une victoire, une défaite, une victoire. Donc la prochaine, c'est celle qui va décider de tout. Et il nous faut 4 kills si on veut récupérer notre titre. Mais si on veut juste pas perdre le challenge, il nous faut juste gagner. Mais bon, on aimerait quand même ne plus s'appeler Blanoob. Ça serait plutôt pas mal. Allez, dernière game. En tout cas, normalement, dernière game. Là, le meilleur scénario, honnêtement, que je vous le dise, ça serait qu'on fasse égalité. Mais ça serait risqué. En fait, le meilleur scénario, c'est égalité. Mais on a plusieurs kills. Et ensuite, après cette égalité, on fasse une victoire. Par contre, il y a Edgar, il va me sauter dessus. Je n'aime pas ça. Tout de suite me barrer, oh, il y a un primo qui va devenir ma victime. Il est pile au mauvais endroit. Par contre, faut pas que je sois trop greedy. Parfait, parfait. Hop, voilà, on continue à l'agresser tout simplement, à charger notre super, à lui faire mal. Ok, il dislike. Top 7 déjà, c'est pas mal. Ouais, si on fait victoire sans avoir aucun kill, c'est pas ouf. Donc mourrez pas trop les gens. Shelly, c'est dangereux à cause du gadget. Ils se barrent tous, comment tu veux que j'ai 4 kills? Bientôt, ça sera impossible d'avoir 4 kills. Oh non, c'est terrible. Vous savez quoi? Ouais, non, j'allais dire, j'allais m'accorder un joker, mais c'est pas drôle. On n'a pas eu assez de kills, on n'a pas été assez. Non! Oh, mais c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Vraiment, c'est pas drôle du tout. Bon, allez, on va faire comme si on avait pas vu ce game. On va tricher, voilà, on va tricher. Non, c'était moche. C'était vraiment moche. Le camping et tout, c'était pas beau. On va faire comme si on n'avait pas vu ce game. Voilà, vaut mieux que je vous montre la défaite plutôt que je vous dise rien et que je relance comme un crevard. Donc, j'ai perdu. Techniquement, j'ai perdu le BO5, mais c'était moche comment je l'ai perdu. Donc, on va pas compter ça comme une défaite. On va compter ça comme un joker, comme une grâce. Voilà. En vrai, je veux juste gagner parce que j'ai perdu. Là, on s'en fout des kills. Enfin, non, on s'en fout pas, mais on va dire. On s'en fait, let's go. Non, j'ai pas eu l'élimination alors que c'est moi qui ai fait tous les dégâts. Ah, 6, ça va être chaud. 5, ouais, non, bah là c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Que je fasse top.
Ah oui, carrément. Ah oui. Vous savez quoi, je n'arrête pas la vidéo tant que je gagne pas. J'ai perdu, mais j'arrête pas la vidéo tant que je gagne pas. Je vais faire au moins un top 1 dans cette vidéo. C'est terrible. Je suis en train de dérusher mon Rico. Après, je l'avais pas tant rushé que ça. De toute façon, il est rang 25, je vais plus lui toucher. Et d'ailleurs, faut que je monte Squeak rang 25 maintenant qu'ils ont buff. Je sais pas s'il est OP d'ailleurs. Après, on est qu'à un jour de la mage, donc on peut pas savoir à ce stade-là. Regardez, le beau voulait teamer. Le beau voulait tout simplement être avec moi. Oh, il y a un Rico qui a tué Edgar. Alors ça c'est pas commun. Ok, le beau, ça se voit que je le saoule. Ah bah regardez, il a fait un smile, il est pas content. Et lui, je vais te taper toute la game. Ok, il est là-bas. Je suis en train de bosser ma géométrie là. Non, pourquoi? En gros, je check le buff du haut comme ça peut-être. Non. Ça marche pas, c'est... Ah, peut-être comme ça. Hop. Let's go, y'a personne. Pendant ce temps, dans le buff central, y'a tout le monde qui se fight, mais moi j'ai... Oh merde, attends, je vais bosser ma géométrie. Oh oui! Oh oui! Comment c'était trop beau! Oh là là! Oh là là, mais voilà, maintenant que vous le savez tous, je vais avoir un doctorat en maths. Oh là là, oh, il était beau ce super, je crois que c'était vraiment l'un des plus beaux que j'ai jamais fait. Et j'exagère vraiment pas, attendez, il y a pas mal d'actions là-bas. Toi t'es pour moi. Non, j'ai pas le kill. Yes, j'ai le kill, deux ciblages. Oh non, s'il te plaît mec. Ok, c'est top 3, il y a le Rico en face et je suis pas bien. Non mais je suis pas bien là. Non. Allez, je le tue. Non, je me fais tuer. Oh oui, parfait. Attends, est-ce que je gratte le kill? Non. Ok, je suis sûr, il bait. Voilà. Je suis sûr, il prétextait le fait d'aller sur les cubes pour ne pas aller sur les cubes. Il est où, là? Il est où? À l'aide. Il est là. J'en étais sûr. C'est trop dur, Rico, dans le bush central avec un beau vision. On a toujours pas fait top 1, mais je suis satisfait. Je suis satisfait. On peut arrêter cette vidéo. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Plutôt chill. Plutôt test du nouveau mode. Hein. En tout cas, je peux l'annoncer. La prochaine vidéo, normalement, ça sera la théorie. Puis ensuite, on enchaînera sur la vidéo des 100 faits. Et peut-être, si je suis extrêmement motivé, d'ici la fin de l'année, il y aura la mise à jour Call of Brawl. J'ai commencé à bosser dessus. Le mode central est amélioré. Il est parfait maintenant. Et il manque juste à faire un nouveau mode et un nouveau brawler. Mais bref, voilà, c'est des infos pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous êtes là, n'oubliez pas de rentrer le code créateur Blarod, mais également de vous abonner avec la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir aussi de liker cette vidéo. Mais bref, je vous dis c'était Blarod. A plus. Merci.